C'était le dimanche 3 juillet 2022 que s'est tenue la grande célébration Todaraba qui veut dire merci Dieu à l'Athénée de la Gombe de Kinshasa. Cette célébration des natures historiques a réuni pour la première fois sur le même podium trois artistes musiciens de renom et croyants du message du temps de la fin. Il s'agit du pasteur Lifoko du Ciel, le pasteur Sylvain Kwala ainsi que le pasteur Nathan Epenge. Depuis 10 heures, les frères et sœurs accédaient en file indienne à l'Athénée pour y prendre place. Un public mitigé qui avait hâte de vivre cet événement et rencontrer ces artistes en live. Quelques-uns au rang ne se sont pas empêchés d'exprimer leurs émotions au micro de nos frères de Gospel Gross. Le pasteur Nathan Epenge a inauguré le podium avec trois chansons, accueillies chaleureusement par le public qui n'a pas hésité une seconde de l'accompagner. Ensuite, le tour du pasteur Sylvain Akouala qui propose deux chansons coup de cœur après avoir fait une forte déclaration honorifique à l'endroit du pasteur Lifoko du Ciel, disant que ces derniers étaient le meilleur d'entre eux. À la montée du pasteur Lifoko, le public était tout aussi bouillant et l'a accompagné avec plusieurs cantiques. Le pasteur Lifoko du Ciel est le premier artiste musicien du message à faire le plein à l'Athénée de la Gombe et deuxième après le pasteur Moïse Mbillé.